Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter comment on tricote ce petit plaid, cette petite couverture. Bon, je n'ai pas encore caché les fils, mais je vais vous montrer déjà comment elle se présente. Mais j'adore, j'adore, j'adore. Je vous donnerai les mesures tout à l'heure parce que je n'ai pas encore pris. Mais il me semble qu'il y a 1 mètre sur 1 mètre 50, un truc comme ça. Voilà. Donc, c'est très, très joli. J'adore comment elle est. Voilà, ça, c'est le devant et ça, c'est le dos. Donc, l'envers, il est comme ceci, vous voyez. Tout simple, hein. Il faudra juste que je cache les fils, comme je vous ai déjà dit. Et puis, l'endroit, il est superbe. En plus, c'est super doux, ça, j'adore. Voilà. On peut même s'envelopper dedans. C'est pour les enfants, mais même en adulte, je pense que ça ira très très bien. C'est sympa, hein. Voilà, donc je vous laisse avec la vidéo et j'espère qu'elle va vous plaire et qu'elle sera pas très très longue. Voilà, donc tricotons tous ensemble. Ah, aussi pour une chose, je voulais vous dire, je sais comme fil, tant que je suis, je vais vous donner les mesures et le fil, parce que je vais le mettre juste à portée de main. Le fil que j'ai utilisé, c'était un Medium Essentials de chez Alison & Maille, de chez Action. C'est le fil vert comme ceci. Je vous ai déjà présenté un haul avec ce fil, un knit haul. Je vais essayer de vous mettre le lien. Ici dans le petit i, c'est 100% acrylique. Il se tricote avec les aiguilles 4 à 5. Il me semble que j'ai tricoté avec les aiguilles 4,5, je crois. Oh, je sais plus. 4 ou 4,5 j'ai tricoté. Donc, les mesures. Voilà, 100% acrylique, je ne vous ai pas donné le métrage. Donc ici, il y en a pour 100 grammes, 238 mètres environ. Donc, la largeur, elle fait... J'ai utilisé 6 pelotes, hein, pour vous dire. Donc, 600 grammes, en fait. La largeur, elle fait... La largeur fait 1,28 m. Et puis la longueur, elle fait, je pense, 2 mètres. Pourquoi, à mon avis? 1,50 m. 1,70 m sur 1,28 m. On va dire 1,70 m sur 1,30 m. Voilà. Et ce que ça représente quand c'est plié, je vais vous montrer aussi. Ça fait un gros tac. Un gros morceau. Voilà ce que ça donne. Bon, super joli quand même, hein. Moi j'adore. Donc je vous laisse avec vidéo tutoriel. Bon tricot. Bon alors, comme je vous en parle assez souvent, d'abord avant de vous présenter le motif, je voudrais vous présenter la petite robe que j'ai commencé à faire pour Barbie. Mais elle est beaucoup trop grosse, donc c'est pour vous dire que j'ai quand même entamé mes essayages. Mais c'est beaucoup trop, donc je vais vous montrer. Normalement, ça devrait se présenter comme ceci. Ça doit descendre sur les épaules. Et ça doit être près du corps, voyez. Mais ça va pas du tout, en fait. Vous voyez tout ce qu'il y a en trop. J'ai pensé en faire un manteau, mais enfin bon, c'est... Bon, je trouve pas ça joli du tout. Donc je vais encore refaire des essayages avant de vous présenter quoi que ce soit. Parce que j'ai pas envie que ça soit brouillon. C'est pour vous dire que c'est en cours. Donc, maintenant, concernant notre plaid. Les mesures, je vous ai tout donné au début de la vidéo. Je vais utiliser ce petit fil acrylique, je sais pas, je pense que c'est 150 mètres sur 50 grammes, je sais pas, il est très fin celui-là. De toute façon, c'est pour un petit échantillon. Je vais prendre les aiguilles numéro 3, comme il est fin, donc ça serait mieux, je pense. Je vais prendre un contrant pour que ça soit un petit peu plus simple. Concernant le motif, il fait, je l'ai calculé moi-même, en fait, si vous voulez, parce que c'était assez... Enfin, il y en avait pas, en fait, de... calcul, il n'y avait pas de présentation, c'est moi-même qui a trouvé comment faire. Donc, pour vous expliquer un petit peu le plaid, je vous ai donné les mesures, etc. J'ai monté 202 mailles pour faire ce plaid. Il y a 21 carrés, comme ceci, donc. Il y a 26 rangs en point mousse, donc du bord. Donc, le bord, celui-ci, il fait 26 rangs. Et sur le côté, nous avons 17 mailles plus mailles lisières, donc sur ces côtés-là. Et puis le reste, c'est le point, le motif. Donc, comme je ne vais pas faire les bords, je vais faire que le motif. Ça, chaque carré, il fait 6 mailles en point de jersey, 2 mailles en point mousse. Donc, chaque carré, il fait 8 mailles. Moi, je vais monter 8 et 8, 16. Je vais monter... 20 mailles, comme ça j'ai maille lisière, une maille supplémentaire, ça va me faire un petit bord. Et le reste, je vais vous présenter. Je suis désolée pour le bruit, vous entendez peut-être la machine à laver. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
Il est vraiment très fin ce fil, hein. Donc après avoir monté les mailles, on va commencer par le premier rang. Pour que ça soit plus simple pour vous, tous les rangs impairs, on va les tricoter toujours à l'endroit. Et tous les rangs pairs, il va falloir faire attention au niveau de point mousse et point jersey. C'est-à-dire que les mailles au point mousse resteront à l'endroit et les mailles au point jersey resteront, seront à l'envers, sur le côté envers. Voilà. Moi, je pense que le mieux, ça va être de marquer vos petits carré, c'est ce que j'avais fait avec mon plaid pour ne pas me tromper sur le côté envers surtout. Donc comme on a deux carrés ici, on va marquer avec nos deux petites épingles marqueurs. Je prends mon contrant et on commence par le premier rang. J'ai fait mon petit encadrement, donc c'est-à-dire je vais enlever une maille lisière, ensuite je fais une maille à l'endroit, ce n'est pas parti, ça n'en fait pas partie de motif. Le motif commence à partir de maintenant. 6 points. 2, 3, 4, 5, 6 mailles au point de jersey et 2 mailles au point mousse. Donc, hop, on marque. On a terminé notre petit carré. On continue. 6 mailles au point de jersey, donc toutes les mailles à l'endroit. 2 mailles au point mousse. Pareil, 2 mailles à l'endroit. Donc, et si puis, je fais mon encadrement une maille à l'endroit et une maille à l'envers, la toute dernière. Donc, il faut savoir qu'ici, on avait terminé par 2 mailles au point mousse. Donc, on va commencer ici par 2 mailles à l'endroit. Donc, deuxième rang, on enlève la maille lisière, une maille à l'endroit, 2 mailles suivantes à l'endroit, 6 mailles suivantes à l'envers, puisque c'est le point de jersey, et les deux premières, c'était le point mousse. On répète de nouveau, donc 2 mailles à l'endroit, donc c'est le point mousse, 6 mailles à l'envers, point de jersey. Puis le point mousse, c'est mon cadre, on va dire, et la maille, la dernière, à l'envers. On passe au rang numéro 3, on enlève la maille lisière et ça va se répéter. Donc tout le rang, vous le tricotez avec les mailles à l'endroit. Parce que les points mousse, le point mousse, on tricote à l'endroit sur le côté endroit. Et le point de jersey, pareil, on tricote à l'endroit sur le côté endroit. Et ça change qu'au côté l'envers, pour le point de jersey, on tricote les mailles à l'envers. Alors, la dernière maille est à l'envers. On passe au rang numéro 4. Et là, on va faire attention. Donc, première maille, c'est la maille à l'endroit. Puis, comme on avait terminé par point mousse, toujours donc 2 mailles à l'endroit. 6 mailles point de jersey, donc à l'envers. Ensuite, 2 mailles au point mousse, donc 2 mailles à l'endroit. 6 mailles jersey à l'envers. Et je fais mon encadrement, hop. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers, la dernière toujours à l'envers. On passe au rang numéro 5 et là, toutes les mailles sont à l'endroit. C'est plus simple pour vous dire que toutes les mailles sont à l'endroit au lieu de vous dire point mousse, point jersey parce que quel que soit le point mousse ou jersey, il sera à l'endroit sur le côté endroit. Les mailles seront à l'endroit sur le côté endroit. Et la dernière maille à l'envers. Donc maintenant, on fait le rang 6 et celui-ci, encore, on fait attention et puis après, ça va être facile. Donc, une maille lisière, on l'enlève. Une maille qu'on tricote pour l'encadrement. Deux mailles à l'endroit, ce sont des mailles mousse. Six mailles à l'envers, ce sont des points de jersey. Puis deux mailles au point mousse, donc deux mailles à l'endroit. Six mailles au point de jersey, donc six mailles à l'envers. L'avant-dernière, on la tricote à l'endroit pour notre encadrement et la dernière à l'envers pour joli effet sur le côté. Comme vous vous souvenez, je le fais tout le temps. Maintenant, à partir du rang 7 au rang 10 en clou, on tricote toutes les mailles à l'endroit, quel que soit le côté, sauf la dernière maille lisière, toujours à l'envers. Ça, on fait notre petit trait qui sépare nos deux carrés. Donc, on fait 7, 8, 9, 10, 4 rangs au point mousse, tout simplement. C'est très facile et le motif est fait, voyez. Voilà, on a terminé. Voyez, mettre les épingles marqueurs, c'est beaucoup plus simple. Comme ça, vous vous repérez assez vite. Voilà ce que ça nous donne.
Bon, là, peut-être ça vous embête un peu l'encadrement parce que ça vous donne pas trop l'effet escompté. Mais je vais vous montrer sur le plaid. On voit en tout cas la bonne séparation des deux petits carrés avec une, voyez, des petites vaguelettes aussi au milieu entre les deux. Et puis là, point mousse toujours qui continue. Donc en fait, voilà ce qu'on a, ce que ça va vous donner. Les deux points mousse, les deux mailles au point mousse qu'on fait à chaque fois entre les deux carrés, ça donne ceci. Ça, c'est les traits qui font quatre rangs au point mousse. Et puis là, vous avez vos six rangs, un point de jersey en droit et donc point de jersey en vert sur le côté en vert. Et voilà. Écoutez, j'espère que c'était assez clair, hein. J'ai essayé d'être le plus clair, le plus explicite, la plus explicite possible. Le plus clair possible, j'espère que ça a été. Et vous répétez autant de fois que ça vous c'est nécessaire pour vous, hein. Sachez juste que votre motif est fait 8 mailles, c'est tout. Voilà, et 8 mailles et 10 rangs. Sur ce, je vous remercie beaucoup de votre attention. Je vous dis à une prochaine vidéo. J'espère qu'elle ne va pas trop tarder, en espérant que je trouve la solution pour les vêtements Barbie. Ou un autre joli motif à vous présenter, archi simple, j'espère. Sur ce, je vous remercie d'avance de vous abonner à ma chaîne, d'activer la petite cloche de notification. Je vous embrasse, je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt. Ciao!